Univers Ski, acteur du ski, du sport et du territoire. Les Jeux Olympiques, ils me suffisent pour me motiver. C'est le seul titre qui me manque et j'ai vraiment besoin d'aucun surplus de motivation pour m'entraîner à 100%, voire à 200% pour ces Jeux Olympiques. Moi, je fais confiance à mon encadrement, à mon technicien, ce qui concerne la glisse, les produits et le ski. Donc voilà, après, je lui fais confiance pour trouver le meilleur arrangement possible et je fais confiance à la fédération pour mettre en place le meilleur système possible pour qu'on puisse réussir. Après, chaque équipe travaille avec des personnes différentes, avec des méthodes différentes. Et du coup, c'est pas parce que c'est les Jeux Olympiques qu'il faut changer quelque chose qui, pour nous, en tout cas, marche depuis 3-4 ans sur le circuit du biathlon. J'ai remporté le titre au championnat du monde depuis 3 ans sans une aide extérieure ou sans forcément la structureuse qui a été présente que sur une de ces 3 années. Donc voilà, c'est sûr qu'il faut se servir de tout, mais il ne faut pas tout changer parce que c'est les Jeux Olympiques non plus. Je pense que c'est plus une rumeur contre moi, j'en ai pas entendu parler et je pense que j'aurais été un des premiers informés. On va se retrouver sur un stage en Norvège. Mais comme on fait depuis 3 ans, et voilà, c'est après, je pense que c'est plus une interprétation de phrase qui a fait parler de regroupement ou de collaboration. Voilà, on va avoir un stage en commun et on va se tirer la bourre chacun de notre côté, plus que tous ensemble pour arriver. Voilà, on a le même objectif, donc il n'y aura qu'une des deux nations qui l'aura, voire une des autres. Donc voilà, c'est sûr qu'on peut progresser, mais ça reste avant tout des adversaires. C'est sûr que l'adversité elle pousse à se dépasser. Le duel avec Emil Svensson depuis 2 ans, il est super intéressant parce qu'on avait un niveau qui était assez proche. Donc oui, j'ai besoin de cette rivalité pour continuer à progresser. Mais je sais que si ce n'est pas Svensson qui me l'apporte, il y aura forcément d'autres adversaires qui seront là pour essayer de me battre et donc voilà, et qui auront un très bon niveau. Donc c'est sûr qu'il y a une vraie rivalité avec Svensson. Après, je ne m'arrête pas à ce duel. Ouais, il y en a quelques-uns, il y en a une quinzaine qui sont prétendants au titre olympique l'an prochain à Sochi. Donc voilà, et parmi eux certains membres de l'équipe de France. Donc voilà, il y a un niveau qui est très dense au top niveau du biathlon mondial. J'ai eu la chance de le dominer les 2 dernières années. Et j'espère que j'arriverai à réaliser cet exploit encore cette année olympique. C'est avant tout un statut qui se gagne avec la légitimité des résultats. C'est vrai que ma position en tant que leader du biathlon mondial, elle m'impose en tant que leader du groupe France. Je crois que c'est avant tout, et je suis avant tout, je permets aux autres finalement de voir que c'est possible et de rêver à ces performances. Finalement, voir ça en plus concret, mais les copains de l'équipe, ils voient que j'y arrive, donc ça paraît forcément plus facile. Et voilà, je crois que ce rôle, c'est avant tout de permettre à toute l'équipe de croire en ses chances.